Alors les trucs à voir à côté aussi, hein. Est-ce que les trucs à voir, hein. Je ne reconnais pas le Vuitton là. C'est fabriqué au Sénégal? Non. Tout ça? À l'extérieur. Okay. Ça marche? Okay. Bon, je vais repasser, je regarde un peu en repartant. Madame, faut avoir un coca. C'est combien? 300. Tu as la bonne. Si le marché, il y a pas. C'est vos mangues, hein. Elles sont énormes, vos mangues. Ça, c'est, elles ne sont pas naturelles, celles-là. Naturelles, elles sont très, très pousses. C'est légal. C'est vous-même qui les faites pousser, là, elles sont trop pousses. Ça, c'est des greffés. Hein. Ça, c'est pas greffé. C'est aussi greffé aussi, mais... mon corps.
De Dakar. Mais moi, bon, voilà. Parce que tu es un artiste, c'est nous le superviseur. Ça, c'est climatisé. Ça climatise quoi? Ça climatise les gens. Ouais, dedans, pas. Dedans, à l'intérieur. À l'intérieur. Tu vas devenir une star. Non, c'est moi qui fais. Non, mais tu fais de la peinture ou pas? Moi, je fais de la peinture. Et tu le prends comme quoi quand même? Très bizarre. Parce que moi, on prend tout le temps pour une caméra. André, ma soeur. Ok, merci à ma soeur. Merci beaucoup. Ouais. Je vais revenir parce que j'ai plus l'argent. Ok? Merci beaucoup. Au revoir. Allez bien? On passe par le couloir là comme ça.
C'est magnifique. C'est vous qui faites ça. Combien de temps pour faire une pièce comme ça? 6 jours. Pour avoir assez d'ailes de papillon, les sélectionner. Mais vous faites le papillon avant de le vous les découpez avant de coller ou comment ça se passe? Ah. Non, on filme les hommes, pas l'artiste. Non, c'est moi qui filme. Non, c'est très très beau, je suis artiste moi-même. Je suis vraiment la biennale de, Dakar. Il faut aller voir. Oh, c'est l'ancien palais de justice. C'est à côté de l'Institut Pasteur. Ouais. Voilà. Il y a toute une grande exposition là-bas, il y a beaucoup d'artistes. Ah bon? Oui. Il faut aller voir. Vous n'avez pas entendu parler de la Biennale de Dakar? Si, c'est ça. Ouais, d'accord. Ouais. Voilà. À bientôt. Merci beaucoup. Non, t'inquiète pas. Bon appétit. Je sors de table, mais demain je viens là. Demain, on mange ensemble. Vive la révolution. Bon, je vais aller prendre le métro maintenant. Saluer Marie, qui est la patronne du soir, elle n'est pas la patronne. Je suis passé juste chez Marie. Je vais la saluer parce que je suis ce soir et quand je passais par là, je vais lui dire bonjour. Vous la saluerez pas, de la part de Yasmine. Il est l'ami de Joël. Alors, un lien entre le marché et ton travail? Un lien entre le marché et mon travail? Ben, le marché, c'est le lieu des commodités et de la consommation, quoi. Évidemment qu'il y en a un. Parce que je fais de l'art, et l'art se vend aussi sur les marchés. Je fabrique des produits, sauf que là, c'est des produits de consommation immédiate. Et à vrai dire, c'est un peu une des associations un peu farfelues parce que, à vrai dire, il n'y a pas réellement de lien. Moi, la peinture ne se consomme pas. La peinture ne se consomme pas, elle se vit et elle s'achète évidemment, mais elle ne se consomme pas. Je ne sais pas si on peut vraiment faire un lien. La question est une colle pour moi, à vrai dire. C'est une colle. J'aimerais penser que.
qu'il y a un lien, mais plus j'y réfléchis, moins je pense qu'il y en a. Mais en fait, la peinture ne peut pas se faire. Ça, ce sont des choses concrètes. Les gens viennent ici pour répondre à des besoins immédiats, des besoins vitaux. Je ne pense pas qu'on vienne dans ce marché consommer du luxe. C'est superflu. Je n'ai rien vu dans ce marché superflu. La peinture, j'ai l'impression qu'elle s'inscrit dans un autre espace. La peinture ressemble plus à ça. J'aime bien cette voiture qui est peinte. On dirait une sculpture, ça c'est étonnant. En fait, ça ressemble plus à une œuvre d'art. J'ai l'impression que plus ça va, plus l'œuvre d'art ressemble à ça. À la fois à la voiture et au slogan qui est posé dessus. C'est un objet sans concept. C'est un slogan ambulatoire. Une machine de circulation. Alors que là-bas, ce sont des choses, comment dire... Ouais, je ne sais pas. Il y a le mot qui me vient là immédiatement, mais je ne sais pas si le mot le plus juste est celui de nécessité. Mais ça, c'est une marque aussi. Ça, c'est le capital. C'est... Oui, c'est le capital. C'est une marque, c'est une marchandise, c'est un objet. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, ça ne correspond à aucune réelle nécessité intérieure. Donc, en fait, je pense qu'un tableau, par exemple, ne correspond pas non plus à une nécessité intérieure. Mais par contre, le rapport qu'on peut avoir, ce qui se passe entre la peinture, le tableau et le regardeur, espace là, est de l'ordre de la nécessité intérieure. Mais celui-là, évidemment, ne peut pas s'acheter, il ne peut pas se consommer, puisque c'est un événement qui se déroule. Mais là, tu fais une critique du capitalisme, et ça, c'est un peu le symbole du capitalisme, orange. Mais orange, de toute façon, c'est... Mais, en fait, une critique du capitalisme, c'est presque un pléonasme, quoi. C'est un coup d'épée dans l'eau. Oui, mais là... Le capitalisme ne se critique plus, selon moi. Le capitalisme est partout, il se vit, il se respire, et puis il gonfle, il est exponentiel, et jusqu'à son explosion finale. Mais là, orange, en plus il s'en parle d'une couleur, vous... Ah oui, non mais c'est pour ça que j'appelle ça un slogan. C'est exactement la transformation du concept en slogan. C'est-à-dire que la couleur orange, qui représente la peinture, souriez. Le sourire, toutes ces notions sont des notions conceptuelles. Et là, elles sont posées, c'est un peu United Color of Benetton, c'est un peu Nike, Just Do It, c'est un peu Apple, c'est aimez-vous les uns les autres pour vendre des pullovers et des ordinateurs ou des moteurs. Oui, mais l'état de la voiture aussi, moi, m'intéresse. C'est-à-dire que... L'état de la voiture, ça, c'est la projection que moi j'en fais et que vous en faites. C'est-à-dire que c'est mon regard qui peut faire de cette voiture. L'espace de la peinture, je peux déplacer par mon regard, je fais comme un ready-made, je déplace cet objet capitalistique dans un espace que j'appelle l'espace de la peinture et du coup ça devient une œuvre d'art. Ça c'est la grande faculté de ce que j'appelle l'espace de la peinture du musée en général, surtout du musée contemporain, c'est que toutes les formes et toutes les activités humaines peuvent y trouver leur place et une justification. C'est assez étonnant. Mais c'est-à-dire qu'on peut réduire tout dans le musée. Et le musée est assez intéressant parce qu'il a exactement la même faculté que l'économie. L'économie réduit tout. Toutes les activités humaines aujourd'hui sont... Mais alors, non, en fait, je reviens sur ce que j'ai dit. L'économie assujettit tout. Toutes les activités humaines sont assujetties à l'économie, mais le marché de le musée d'art contemporain surtout a la faculté
un peu similaire, mais pas d'assujettissement, mais de... d'assimilation. Rentre dans un musée peut potentiellement devenir une œuvre d'art. Voilà. Maintenant, on filme moi qui pars à la côté de la voiture parce qu'on fait un film sur l'art, la couleur. Et on regarde ça comme une œuvre d'art. On essaie de comparer ça à une sculpture comme la personne qui a peint la couleur orange, etc. Voilà. Mais c'est votre voiture? Oui, mais bon, Non, du tout. En fait, c'est le sourire. Toi, le sourire, c'est cette idée que ce soit sur une voiture qui a un objet de frustration. Et le sourire, le sourire de courant. C'est une réflexion. C'est bien qu'il te demande ça. Ouais, non, c'est génial. Et surtout qu'il a... Enfin, je sais pas s'il a compris, mais... Bah si, il a compris, mais je veux dire, le problème après, c'est les terminologies. C'est que nous, on parle en jargon. Dans notre métier, c'est comme un avocat, etc. Mais par exemple, il me dit, ah, mais c'est de la philo... c'est comme une philosophie, quoi. Et je lui dis, oui, c'est une réflexion. Mais en fait, il veut dire la même chose. C'est ça qui est intéressant. Mais c'est que c'est des mots, en fait, c'est des mots qu'on accole à des concepts ou à des idées ou à des sensations. On est obligé. Il y a quelqu'un qui disait, par exemple, que depuis l'écriture, la révolution capitaliste se fait aussi par l'écriture. What did you get this? Ça? Yeah. Ça veut dire quoi? Ça. American Gangster? American Gangster. Plein de dollars. Fétichisme de la marchandise. Le monothéisme de la marchandise. En fait, il n'y a plus qu'un dieu unique. Cette espèce de marchandise de dollars qui est une sorte de chose virtuelle, mais qui rassemble tout le monde. Il y a une chose sur laquelle la planète entière aujourd'hui est d'accord, c'est la marchandise.
produit pas de marchandises et la bannir et... C'est la guerre de marchandises, de la marchandise contre tout le reste. Immaculée Conception. C'est une école. C'est une école. Ah, regarde, c'est une barrette. Oh, on n'est pas condamné à part. On va essayer de marcher par là. Là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec notre caméra et pour les causes de notre film, que notre ami accepte de nous prêter son fauteuil, on interrompt toute sa circulation. Et ça, c'est souvent l'interruption de cette circulation. Ce garçon marchait avec son fauteuil, on ne sait pas d'où il venait, on ne sait pas où il va. Et il a certainement une urgence, parce que marcher avec un fauteuil dans la rue comme ça, c'est qu'il y a une urgence, il y a quelque chose qui s'est passé, quelle est l'histoire de ce fauteuil. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est l'interruption qui va se passer et surtout la bienveillance avec laquelle il accepte d'être interrompu dans son... Peut-être qu'il allait nulle part, peut-être qu'il venait de nulle part, c'est pour ça qu'il peut... Mais vous veniez d'où et pourquoi vous en veniez ça? Combien? Ah, il veut me le vendre. D'accord. Oh. Merci beaucoup.
Oui. Ok. Et toi, il y a où? Je commence à divaguer sur, sur la poésie du moment, sur le fait qu'enfin on trouve quelqu'un qui n'a pas d'objectif. Une sorte de philosophe et il me demande 1000 francs. Non, excuse-moi, je vais répondre. Allô? Allô? Attaque. J'adore le bâtiment Moderna, et en face le supermarché Attaque. Wow. Baisse générale, pouvoir d'achat, taux d'intérêt, catégorie, hashtag prime subprimes, vendre, omniprésence du faux, hashtag positive money négative, relance, temporaire, effondrement, matière première, démographie, croissance, appauvrissement, PIB. Grande foule des solitudes agglomérées. La caresse du vent. Tendresse fertile. Gesticulation corporelle. Sexe thanatique. Assurance vie. Vous avez de la dette partout. Exportation, biens et services. Accumulation de corps fétiches. Les hommes au pouvoir sont des choses. Un homme de pouvoir ne jouit jamais. Vous êtes à 300 km/h. Vous êtes à 300 mètres du mur. Vous êtes. Le pouvoir est antithétique à la jouissance. Dépravation urbaine du capitalisme généralisé. Nomenclature supérieure. La comptabilité va gagner. Qui va perdre de l'argent? Assurance vie, mort. La séduction est une médiation orchestrée. Tout est contenu dans le début. Faillite, fertilité, infertilité, amour, transfiguration. Danser, boire, rire, aimer comme un paysan. Il faut prendre l'argent aux pauvres. Ils n'en ont pas, mais ils sont nombreux. Culture de l'épargne. Le désir doit être tué. Offshore. Tax haven. Hashtag trade deal. Hashtag mass propaganda. Hashtag manufacturing consent. Hashtag democracy incorporated. Le mouton se fait tondre. Tondre le mouton. Inverted totalitarisme. Hashtag failed state.
Hashtag mass migration. Hashtag endless war. Éduquer pour révolter. Hashtag make us poor than shoot us. Il n'y a pas de création. Le monde est une relation dialectique. Le monde est une information. Papa, qui fait la chaise? Papa, qui fait la chose? Papa, qui fait tout ça? Le singe, l'homme, le travail. L'entraide naturelle, l'éthique humaine, solidarité radicale, conséquences gigantesques. Il n'y a ni naissance ni mort, il n'y a que mélange et dissociation de mélange. Conservation, dépassement, je, tu, nous, transsubstantiation, naturalisme achevé, hashtag antinaturalité achevée. L'autre n'est que faire valoir, oligarchie, corporate, cabale, hashtag war is a business, hashtag tomahawk égale 1 million de dollars, hashtag one day in Libya égale 160 tomahawk. Angoisse, souffrance, incarnation, insurrection à l'échange, l'argent, concerto bande bourgeoise, passion, profanation dans la commercialisation. Toute vérité officielle est un mensonge. La révolution est un acte ontologique. Automouvement de la tripe, feu incendiaire permanent. Aucun commandement, aucune institution. Universalité cosmique radicale. Logos, scandale. Dévastation économique et sociale. Distributeur de billets, corps social, dépositaire de faits, fonds de garantie, bouchons de champagne, changement de paradigme, dérive. L'âne n'a plus soif, il faut faire boire l'âne. Euthanasie. Symphonie justificatrice de dressage, de domestication. La transformation du concept en slogan. Le blé, comment tout peut s'effondrer, les frontières, club de Rome, terreur, 30 ans après, monothéisme de la marchandise, global, excess, tout, on arrête tout. 30 ans après, monothéisme de la marchandise, global, excès, tout, on arrête tout, libre mondial, 80 000 banques, systémique, produits dérivés, 720 milliards de dollars, changement de paradigme, dérive. Ces messieurs-là qui vous ont aidé à faire que tout ça soit possible.